सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की धपकियों से सुलाओ हमें, ऐसा नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों là, j'ai eu la trouille là. Je pensais que tout le monde était au lit. Mais pourquoi tu n'es pas couché toi? Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Je t'observe depuis 2 jours. Je sais pas ce que t'as Arjun, mais on dirait que t'es branché sur du 100 000 volts. Allez, viens t'asseoir. Assis-toi. Je n'ai aucune idée de la nature de ton problème. Mais j'ai aussi la potion magique qui résout tous les problèmes. Regarde-moi cette couleur. Sens-moi cette odeur. Tiens. C'est un remède. Fait maison. Pour te calmer les nerfs. Allez, cul-sec, t'oublieras tout. Le téléphone mobile est vraiment une invention formidable. Comme un chien a toujours son collier autour du cou, l'humain a toujours son portable dans la poche. Souvent on ne peut pas quitter les gens qui nous aiment, mais quand on le veut... Et toi fiston, qui c'est qui t'a mis un collier? Oh, je veux dire... Cette personne qui doit t'aimer très fort sans doute. Et qui t'appelle et qui se fiche de te déranger constamment. Qui c'est? T'as bien raison mon pote. Ce maudit téléphone, si tous les problèmes viennent de là, je vais changer de numéro et puis voilà. Peut-être, tu peux en changer autant que tu veux. Mais tu peux pas changer ton nom. Mais en fait, un paquet est arrivé à Vrindavan. C'est pour toi. Figure-toi, c'était pour toi. Ton père l'a fait suivre et on l'a reçu. Un paquet? Ouais. Donne-le-moi, s'il te plaît. Il doit être quelque part dans un coin de ma chambre. S'il te plaît, va me le chercher. Oh, attends. Attends.
Je reviens tout de suite. Tu perds pas en chemin. Un coup, j'arrive. D'après le cachet, ça vient de... C'est mal écrit, les lettres se chevauchent. USA. Dis donc, ton paquet a été envoyé d'Amérique. Donne-le-moi. Attends, je vais l'ouvrir. Donne-le-moi, allez. Mais non, c'est moi qui est allé le chercher, c'est moi qui l'ouvre. Mais mince, bon sang, donne-le-moi, donne-le-moi. Je t'ai dit de me le donner. Mais arrête. Ça ne compte pas. Mon colocataire, le gars avec qui je partageais mon appartement en Amérique, c'est lui qui me l'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui avais dit de rien m'envoyer, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Le problème ne frappe pas avant d'entrer. Il se pointe toujours à l'improviste. Et il n'a pas besoin de passeport, hein? Il traverse les océans et il te tombe dessus. Tiens comme qu'il a. Hein? Comment tu vas t'y prendre maintenant? Comment est-ce que tu vas faire avec ce fardeau sur les bras? Laisse-moi te dire un truc. La date sur les photos indique, contrairement à ce que tu prétends, que cette amitié n'est pas si ancienne que ça. Mais non, c'est pas possible. C'est une copine, rien d'autre. Je te crois, une amitié solide, si solide, que même si elle est à des kilomètres d'ici, loin, elle arrive encore à te torturer. Hein? Mais tu dis n'importe quoi, je vais bien. Il ne s'est rien passé. Non, je ne suis pas torturé du tout. C'est vrai, rassure-toi, tout va bien pour moi. Écoute, je t'en prie, ne parle de ce paquet à personne. Moi, je serais muet comme une tombe, je ne sais rien. Mais comment tu vas faire taire cette demoiselle, hein? Hein? Elle n'abandonnera pas, elle te pourchassera. Où que tu sois. Je vais te dire. Moi, je n'ai jamais fréquenté une femme de toute ma vie. Rappelle-toi ce proverbe. Oignon fumé et femme font pleurer alors qu'un bon cigare c'est tout un arôme, ouais. Ouais. Il n'y a qu'une seule manière pour échapper à une femme. Une seconde femme. Mais tu n'as pas l'air de comprendre la subtilité. Non, pas vraiment. C'est rien.
Tiens. Elle arrive encore à te torturer. Ah non, ça suffit. Arrête de penser, fais-le. C'est la meilleure solution pour résoudre ton problème. Dans tous les cas, ça te servira. Hein? Hein? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर् Tout doit être en ordre, d'accord? Ramu, attends. Madame? La chambre d'Arjun a été nettoyée? Faites-la en priorité. D'accord, madame, j'y vais. Quelle agitation! Quand je vois ce remue-ménage, j'ai l'impression qu'on attend des invités de marque. Alors que ce sont seulement des membres de notre famille. Oui, mes enfants vont rentrer à la maison. Je veux qu'ils se sentent bien chez eux. Bonjour, mesdames. Bonjour, Tiluram. Est-ce que les courses sont faites? En cuisine, tout est prêt? Ne t'inquiète pas, je supervise. Tout sera prêt à temps et en heure. Satya n'est pas rentrée du bureau? Il m'avait pourtant promis d'être là de bonne heure. Si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. D'accord. Tiluram, s'il te plaît, tu veux bien venir m'aider à préparer la puja? Oui, madame. Allons-y. Ginny, elle est où? Toi, tu files. Va aider Yashoda plutôt. Vas-y, vas-y. Ah allez. Oui. Alors, Ginny, du nouveau? La marieuse a téléphoné. Elle a dit qu'elle avait trouvé le jeune homme idéal qui ferait à mon bonheur. Une famille fortunée. Des gens qui ont une immense richesse. Et puis, ils vivent dans une demeure ancestrale. Pour l'instant, le garçon a son affaire à Delhi, mais il voudrait s'installer à Vrindavan. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. La véritable satisfaction sera de voir Gayatri mariée dans une famille plus riche que les Tripathi. Ça leur fera une bonne leçon, hein? Je lui ai demandé de m'accorder quelques jours avant de prendre rendez-vous. Comme ça, je parlerai à Gayatri dès son retour. Et on pourra commencer à avancer nos pions. Judicieux. Mais quelque chose me tracasse l'esprit. Quoi? Non. Qu'arrivera-t-il quand Arjun annoncera qu'il refuse de se marier avec Suhani? La situation sera terrible. Tu vois ce que je veux dire? Les sentiments de Gayatri pour Arjun risquent de se réveiller et d'être encore plus forts.
Tu comprends la situation? Et si elle retombe dans cette confusion émotionnelle, tu peux dire adieu à tes projets. Non. Pas question que cette situation se reproduise. Gayatri ne se mariera jamais avec un garçon de cette famille. Elle devra épouser la personne que moi je lui choisis. Point. Ah. Les enfants doivent obéir. Allô? Qui ça? Arjun? Arjun est sorti. Moi, c'est Manoir. Manoir, le secrétaire particulier. Et vous? À qui ai-je l'honneur? Et vous, comment vous appelez-vous? Allô? Je ne vous entends pas. On a un problème de réseau. Choub, je veux que tu saches que j'ai demandé à Dinkar d'entretenir le feu sacré, même après notre départ. Mes bagages sont prêts, je descends. Soigny. Oui? Je suis responsable de ce qui est arrivé ici. Et je te prie de m'en excuser. Je te promets une chose, Soigny. Une fois rentré à la maison, personne ne te posera de questions. Je leur fournirai des explications. C'est moi qui répondrai à leurs questions. Alors, ne te fais pas de soucis. Je ferai part de la situation à ton père. Ensuite, et pour conclure, personne dans cette famille ne t'a jamais rejeté. C'est nous que le destin rejette. Tout ça me rend amer. Ça me fait de la peine. Tu ne feras jamais partie de notre famille, Soigny. Arjun ne s'est pas rendu compte de la chance qu'il avait. Il n'a pas su voir qui tu es. Il n'a pas su reconnaître ta simplicité. Il n'a pas su voir que tu as des valeurs et un sens moral. Mais je sais une chose. L'homme que tu épouseras sera comblé. Tu feras de lui l'homme le plus heureux du monde. Ça coince, Arjun? Attends, laisse-moi faire. Non, je n'ai pas besoin de toi. Ne le prends pas mal. Je suis le seul à savoir où je range mes affaires. Merci. Tu peux aller te préparer, toi aussi. Je n'ai pas grand-chose. Mes bagages sont prêts. Ça ne va pas, Arjun? Je sais pas, t'es vraiment bizarre. T'as l'air stressé. Je vais parfaitement bien. Arjun, est-ce que tu sais comment tu vas affronter les questions et la gêne au sujet de Soigny quand on sera à la maison? Et tu n'as pas peur de provoquer la colère de la famille quand tu leur apprendras ta décision?
C'est sûr, Arjun. Shub sera vraiment furieux contre toi. Mais ne t'en fais pas trop. Il est incapable de t'en vouloir très longtemps. Il comprendra comme toujours pourquoi tu as fait ce choix. Et c'est lui qui l'expliquera à la famille. Ils vont avoir du mal à l'avaler. Mais ils t'aiment tellement que... ils finiront par comprendre pourquoi tu ne veux pas épouser Swanee. Va chercher ton sac, parce que les autres doivent nous attendre. Yashoda. Oui? Tout n'est pas encore prêt. Où est Tilou? Les enfants ne vont pas tarder. Je l'ai envoyé chercher des pâtisseries, il va arriver. Calme-toi, s'il te plaît. Facile à dire. Allô? Manoir et vous? Je suis le secrétaire d'Arjun. Il est injoignable, mais il le sera bientôt. Joignable. Il vous téléphonera à son retour. Ne rappelez pas. Ah, ok, ok. Ça y est. On est prêt. Faites mon voyage. Prends bien soin de toi. Merci encore. Tu vas vite poser ces boîtes dans la cuisine et ensuite tu vas voir Satya. Il t'a déjà demandé deux fois. J'y vais tout de suite. Oups, pardon. Satya. Swanee, ma chérie, que fais-tu si loin? Approche, viens tout près. Eh bien voilà, à côté d'Arjun, c'est ta place.
êtes bien la sortie tous les deux. Non, main. Ne te fais pas d'idée. Demande à Arjun ce qu'il en est. Ah, je le sais déjà. Hier soir, il m'a téléphoné pour m'annoncer une bonne nouvelle. Suan et lui vont se marier. Je suis la seule au courant, il n'a pas voulu t'en parler. Je sais aussi pourquoi il n'a rien voulu dire. Excuse-moi, maman. Je sais qu'il est tard pour t'appeler. Arjun, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Maman, bon... J'ai quelque chose à t'apprendre. Je t'écoute, dis-moi. Vous rentrez bien demain matin, comme prévu. Oui, maman, mais je suis incapable d'attendre notre retour. Je ne pourrai pas trouver le sommeil si je ne te le dis pas. Dis-moi ce qui se passe. Maman, je suis tombé amoureux de Soigné. Je veux poser Soigné envers et contre tout. Tu n'imagines pas comme je suis folle de joie. J'étais si impatiente de te l'entendre dire. Et maintenant, dépêchez-vous de revenir à la maison. Maman, on part demain matin. Par contre, maman... Acheb, je lui ai encore rien dit. Comment se fait-il que Choub ne soit pas au courant? Parce que tu sais, maman... Là, il est... Il est un peu fâché contre moi à propos d'un truc. C'est rien. Et je suis sûr qu'il me pardonnera dès qu'il apprendra la bonne nouvelle. Alors va lui apprendre le plus tôt possible. Non, maman. Je veux lui faire la surprise qu'il l'apprenne en même temps que tout le monde. D'accord, si tu veux, mon chéri. Qui c'était, Yashoda? Que se passe-t-il? Suani et lui vont se marier. Il est d'accord, ça y est, c'est génial. Ah, tu vois. Je te l'avais dit, jamais notre fils ne le décevra. Tu vois alors. Ah, je n'en ai jamais douté. Seigneur, je te suis si reconnaissant. Désolé, mon frère, mais je n'ai pas voulu t'en parler avant. Je sais que j'étais beaucoup déçu ces derniers temps. Alors je me suis dit qu'une petite surprise te ferait plaisir et que ça t'ordonnerait une pêche d'enfer. Tu sais comment je suis. Je n'ai plus rien, j'ai l'esprit lent. Je ne comprends pas les choses de la vie aussi bien que toi.
Mais j'étais aveugle en fait. Je ne voyais pas qui elle était. Au début, j'avais peur que ce mariage me pèse, et puis j'ai compris. C'est une opportunité qui s'offre à moi. J'ai réalisé, l'autre fois quand tu m'as sermonné, ça m'a blessé, mais je sais que c'était pour mon bien. Non, où est-ce que je trouverais quelqu'un comme Soigny? Je reconnais que Soigny serait une épouse parfaite. Et une belle fille très agréable à vivre. Soigny, je tiens à te dire que si je t'ai blessé de quelque manière que ce soit, j'en suis vraiment désolé. Mon frère, si tu n'avais pas été là, je serais passé à côté de quelque chose. Quelque chose d'important. Mais comme d'habitude, tu m'as montré la voie que je devais suivre et je t'en remercie. Mon frère, maintenant, tu peux peut-être m'aider à convaincre Soigny de me pardonner. Et à accepter de m'épouser. Notre expérience de ces derniers jours démontre que on ne devrait pas prendre une décision à la hâte. Tu as pris le temps qu'il te fallait, Arjun. Tu as bien fait. Maintenant, on va donner à Soigny le temps de la réflexion. Mais enfin, que se passe-t-il? Quelles sont les raisons de Chou pour mettre le mariage en attente? Setia, à ton avis, quel est le problème? Je me demande ce qu'a bien pu faire Arjun. Chou doit avoir ses raisons. Ne t'inquiète pas, Yashoda, chérie. Personne ne m'enlèvera de la tête que ce mariage sera couronné de succès. Je suis vraiment navré. Vous ne devez rien comprendre. Je n'ai pas réagi comme vous l'attendiez.
Je ne voulais pas gâcher votre plaisir. Je ne voulais pas non plus vous faire du mal. Mais... Mais quoi, Cho? Je voudrais savoir ce qui l'a poussé à changer son comportement de manière si radicale. Pardon, fils? De quoi est-ce que tu parles? Papa, après qu'on soit tous partis de la maison, il a été on ne peut plus désagréable. Arjun a ignoré Swanee. Il était odieux avec elle. Pendant tout le séjour, Arjun a été grossier, malpoli avec elle. Alors, pourquoi il veut l'épouser? Explique-toi clairement. Qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'on soit parti, il a pété un câble. Il faisait toujours tout seul. Il s'en foutait de soigner. Merci, Arce. Merci.